Référendum constitutionnel jumelé aux législatives du 27 mai. Le Conseil des ministres d'hier a décidé l'organisation d'un référendum constitutionnel qui sera jumelé aux élections législatives du 27 mai prochain. Ce jumelage s'explique par le souci de maîtriser les dépenses, selon le communiqué de la présidence de la République. Ce référendum devrait se tenir, alors pourquoi engager des dépenses supplémentaires si on peut le jumeler avec les législatives, selon toujours la présidence? Par ailleurs, le dernier Conseil des ministres a apporté des modifications à la loi organique 2018-008 du 11 mai 2018 portant régime général des élections et des référendums. Selon les explications, ce référendum constitutionnel est nécessaire pour mettre en place une base législative à l'effectivité de la décentralisation. De par la nouvelle constitution, les collectivités décentralisées devraient être plus autonomes et capables de prendre des décisions qu'elles jugent profitables à leur propre région. En d'autres termes, les autorités régionales bénéficieront de plus de liberté d'action pour assurer le développement de leur région. Cette décentralisation effective est une promesse faite par le président Ange Raduel lors des campagnes électorales pour les présidentielles de 2018, rappelle la présidence.